Tamara avec nous là, mes amis. Et oui, bon, la belle Tamara. Oula, bonsoir Tamara. Bonsoir Guy, bonsoir Kikap, bonsoir Wilfried. Vous êtes nous en forme. Kikap, félicitations. Merci. La famille a bougé comme ça parce qu'il n'y a pas souvent passé pour la famille, surtout dans les médias, a bougé dans le niveau ça. Vraiment, félicitations. Bon, sans plaisir pour ma venue à Soya, ça fait quelques jours. Hein? Mm-hmm. Quelques jours. Oui, well, oui, il faut que ça toute belle, belle. Oui, well, oui, well. Non, belle, belle Tamara, pas surprenant. Belle Tamara, pas surprenant. Hein? Toute belle, belle, ça, moi là, dans l'école, là, moi, m'badan, hein, m'abtende. Non, belle Tamara, pas qu'à supprimer nous, parce qu'il va, j'aime l'autre gens. Tamara, j'aime l'autre gens, non? Tamara, j'aime l'autre gens. Tamara, bon, Tamara, supprimer, Tamara, comment Haïti y est? Et, ou en forme, comment pays y est? En vérité, me dit, ça fait une question, Guy, pour aller poser, mais je m'abonne, il dit, Guy, m'pas qu'on est nous-mêmes, là. Haïti là, parce que nous avons goûté tant bien que mal pour nous continuer à exister dans le pays, parce que c'est un bagage qui est très difficile pour même jeunes continuer à exister dans le pays. Donc, il m'a donné plus d'efforts que d'habitude, il m'a donné plus de conviction que d'habitude, il m'a donné plus d'énergie que d'habitude, parce que en pile fois, on a commencé le travail et puis on pense qu'on va pas avancer tandis que c'est pas marqué sous place. Donc, si on pas mis tête ou sur ça et que on pas dit tête ou que vous foncez plus que vous habituez foncer, c'est sûr, c'est ouais, vous avez été ou vous marquez pas sous place, oui. Donc, on a vu dans un pays qui est assez difficile, surtout pour jeunes, on dit jeunes parce que jeunes, il y a plus de bagages pour prouver et tout, mais il est difficile pour tout le monde qui a vu dans un pays. Ça. Très difficile, encore plus difficile pour j'imagine, pour un artiste comme même qui a une rigueur, qui a une ligne, qui a des principes, qui a des valeurs ou qui attribue à eux-mêmes que va défendre ça, me trouver l'idée comme en fait, pas tout le monde gain de principes, gain de valeurs, gain de bagages qui est très important pour eux, tu vois, et que moi-même je dois choisir gain de marche à suivre, gain ligne moi pas franchir mes côtés de vérité, même pas c'est chaque artiste gain ça dans tête comme truc pour y avancer. Et je pense que quel que soit le côté, bien entendu, le cas plus difficile en Haïti pour qu'à exposer, surtout tant que j'en dis à nos artistes dans le calibre, même quand c'est tout artiste qui a un petit bagage, ça vous mettez la caillou, dit tu bon, écoute, il y a le ligne nous va le franchir, il y a le bagage nous va le faire, il y a le bagage faut que nous fassions pour nous vivre côté lié, etc. Pour me plus préciser la question, c'est le fait que oui, nous avons fait des lignes, mais qui est tendance, que tout le monde trouvait qui est à la mode, mais ou même du début jusqu'à aujourd'hui, où senti Tamara a une certaine conservation de certaines caractéristiques qui fait comme artiste, c'est surtout l'école Lissotia, lorsque dans l'école où Lissé Louia, et où j'en grandi musicalement, et où était tout, famille, tout, personnel, tout, et après, de rigueur. Moi, j'ai compris ce que tu veux dire, mais après, c'est une question de choix personnel qui est tout. Moi, même souvent dit ça, quel que soit type de musique, ou bien quel que soit choisi dit dans la musique, quel que soit où tu choisis fait dans la musique, c'est des choix personnels, parce que choix, il y a avantage, il y a inconvénient, quel que soit où tu choisis faire. Donc, moi-même, moi, j'étais dans le goût de ça, parce que c'est la donne moi qui assume mes têtes, moi, c'est la donne moi qui côté visage moins mieux, c'est la donne moins confortable, et que c'est la donne moins senti me délivrer plus, c'est la donne moins senti ma poton plus pour pays, mon plus pour jeunesse, moi. Donc, moi, j'étais égal à moi, moi, j'étais non ligne, nous connaît, qui a poton bagage qui est positif, justement, pour des jeunes, pour pays, pour un bon bagage. Wilfried Kitkat. Et bon, pendant qu'on a parlé de ligne, Tamara Mamzou, welcome, comme toujours, c'est mon plaisir. Et à chaque fois, nous avons des choses pour faire un petit dialogue ensemble. Et dès que je suis dans des musiques là, et je me croise avec le manager, je fais des plaisirs à la pendant que je parle des lignes, je me suis dit que le changement que je fais dans la ligne production de Tamara, je me sens que. Et est-ce que ça me tend par rapport à ça, je me sens que c'est ça, parce que je me sens que la musique qui soit très très commerciale, et qu'on y a là, je me sens que je fais musique
qui est qualité, mais c'est une musique. On dit très tendance, pas commercial, parce que toute musique commerciale, oui, quand même, oui, oui. Très tendance. Tendance, ça, là, c'est tendance. Est-ce que je ne veux pas une musique qui garantit booking, depuis qu'on m'a dit, on a dit, il faut le Tamara dans le programme, il faut le Tamara dans le halftime, il faut le Tamara dans le festival. Par rapport à ça, est-ce que qu'on a stratégie à changer, ou bien nous, ça marche avec le temps pour nous retirer les vents, même à tout le monde? Ok, moi, je vous connais l'autre qui a travaillé pour contour avec l'autre équipe qui a travaillé pour c'est deux bagages complètement, totalement différents. Moi-même, je travaille pour contour, donc c'était Goum seulement qui a passé, tu vois. Même les stratégies étaient venues de moi directement. Donc, là, qu'on y a une bonne équipe qui a travaillé ensemble avant, ou, comme ça, c'est la vôtre, mon petit Jean Rebelle. Donc, ça veut dire, il faut qu'à convaincre moi à 200% pour me quitter des bagages passés, tu vois. Donc, le fait que mon équipe qui travaille avec moi, qui vient avec des autres stratégies et qui fait moins des bagages, me dit peut-être, écoute, pourquoi ne pas oser? Mm-hmm. Après, j'ai l'impression, un pile fois, mon yon pose des questions par rapport à le fait que Tamara chante compas. Mais souvent, ça me souvent dit, mon yon, c'est la musique haïtienne, c'est une continuité de ça, me dit qu'on fait avant. Je fais de la musique haïtienne, son monde qui chante en créole, en français. Et puis, qui chantait rythme haïtien, ça me remet fait fusion avec rythme haïtien et étranger, mais faire du compas, faire une musique compas, et puis, mélanger, par exemple, avec, un afro, ou bien, l'autre rythme étranger, c'est faire une fusion qui sont continuité de philosophie PAM, de tendance que toujours entrer là-dedans, vous comprenez? Donc, c'est plus tendance, qui dit, hein, pas quoi dire, puis commercial, parce que toute musique avant, ça va dépendre de qui public ou elle vend musique là, toute musique avant. C'est plus tendance parce que il y a justement vers une musique qui pique rythmée que d'habitude, mais c'est une continuité. Tamara, par rapport à la question que Wilfried pose au là, et nous connaissons que vous faites musique vraiment avec succès et avec Zinglin qui s'est joué coin, et musique ça qui impact que le gain sous avec nous, si nous voulons dire nouveau changement ou bien et gens que vous décidez pour mouvoir avec carrière. En fait, musique ça, l'ipito fait me découvrir des monde qui peut-être pas de connaître moi à 200%, mais pas de connaître moi à 100%. Parce que musique ça fait grand pile monde qui vient devant, qui vient dire bon Tamara, tu pouvais chanter du compas, pour ça pas chanter compas, etc. Et puis ça fait que grand pile monde qui ouais me différemment, il ouais me différent, il ouais que voilà. Et nous connaissons entre moi-même à nous-mêmes, nous connaissons depuis un moment, pour qu'on chante qu'on pas, en pile fois, il sait de pour qu'on chante pour lui, tu vois, parce qu'il faut qu'on fasse danser, faut qu'on fasse bouiller, etc. Donc, du coup, l'homme s'il chantait ensemble avec Zinglin, moi, j'en ai pile off qui découlait de collaboration, ça. Elle me dit off par rapport avec, des artistes, nous gagnons des collaborations que nous supposons faire ensemble. On va pas citer pièce, non, parce que tout un projet beaucoup, presque pas la rue, pas investi, non. Donc, il y a un peu de bagaille qui a découlé de ça parce que je pense que je suis un autre genre. Tamara a chanté l'autre tendance et par rapport avec l'autre musique, moi, je soutiens qui sont musique reggae qui est vraiment différente de peut-être tendance que je suis fait, que je suis vraiment été centré là-dedans, tu vois. Donc, ça fait que un peu de monde ouais mon autre genre et puis moi, bien content le fait que j'ai découvert ça finalement. Est-ce que vous-même vous êtes un autre gens après non, ça? Bizarrement, non. Vous êtes toujours capable. Moi, je vais te dire, nous sommes des gens qui lèvent l'église et je pense me lever dans l'église pentecôtiste, protestant et tout. Donc, me lever dans le cas côté que ces musiques qui étaient toujours qu'on jouait. Et je pensais en pile monde à croire que l'église, c'est une d'un côté qu'on pas jouer en pile, qu'on pas. Babal dira bodai mais musique qui chaud. OK, c'est des bagailles qui jouaient en pile l'église et m'étais souvent dans des activités l'église et tout, donc ton pas t'es toujours qu'on a joué, tu vois. Maintenant choisir faire une autre musique, j'en ai dit tout à l'heure, hein, c'était un choix qui était vraiment personnel puisque j'ai commencé une carrière pour compte moi et que c'est moi qui a décidé sur ça nous faire par rapport avec vous l'impact. Nous pas de faire pour ne plus faire mon plaisir tout. Est-ce que tu vois? Donc, mon te compte pour plaisir par rapport avec ça, fait plaisir déjà. Mais là, l'autre bagaille qui peut être changé, changement gagnant, c'est parce que je ne pas fait peut-être mon plaisir seulement. Je vais faire l'autre mon plaisir pendant que ma plaisir dans ça m'a fait, justement. OK.
Bon, m'pense même la monsieur pas dit mais moi-même moi pensais que m'ka dit et m'trouvé que gen et pas seulement dans musique gen changement, moi a suivi vous, m'suiv tout ça fait et sur internet là, sur IC, le gen changement, moi-même automatiquement mwel et m'trouvé que gon travail k'a fait et surtout dans image ou et nous ka wè que ou maigri, grand pile moun ki capable dit bon m'a dit parce que li important ou travail pour ça, parlez-nous de qui changement même m'a fait au niveau de look. Ou est-ce que pour qui ça change ça yo? En fait, maigrir, c'est vraiment ça pas de gagner pour la musique, ça pas de gagner pour avec Ariel, tu vois. Et si ça me dit, Camille, nous essayons d'aller, nous essayons un bagage. Et puis vraiment, dès commencer on d'aller, après 3 mois, moi qui commence à faire résultat, et puis je choisis, bon, ok, je vais accompagner avec un petit sport là, quand même, dans la caille, je choisis. Fait six formes, j'ai fait diet, moi, essayer contrôler bouchon le plus que me capable. Et puis, bizarrement, ça a marché, mais il faut dire que j'ai quand même galéré pas mal parce que j'ai toujours voulu maigrir. Parce que dans ma famille, les gens grossissent, je grossis plus rapide. Les gens stressés, je grossis très rapide. Welcome to my family. Yeah, depuis me content, me grossis très rapide, moi stressé, me grossis très rapide. Donc, qui vient demander pour mes esclaves, comme, que me pas de flip. Donc, du coup, je me dis que moi, je choisis de faire un diet sans forcer. Donc, ça veut dire que le bagage, moi, je mange, je ne vais pas éliminer. Je mange avec modération et tout. Donc, je choisis de faire ça sans pas courir avec comme des bagages comme mon bel 8 mois avant pour vraiment un changement dans comme. Et puis, voilà, ça a marché. Et puis, je viens tourner en mode de vie. Ce n'est pas comme si je suis toujours en diet, mais je viens tourner en mode de vie. Je fais mon sport, manger, choisir, manger bien, etc. Donc, ça a marché. Et puis, je me dis peut-être, moi, écoute, je vais bien le consent. Ou pas parce que ça a very nice, so me devait dire ou pas parce que ça a gon bagage peut-être, mais c'est parce qu'on va faire pour peut-être porter plus lumière sur comme artiste physiquement. Mais est-ce qu'on pas penser ou faire d'abord pour santé pas ou, mais les gon impact l'hypothèse sur gens ou voilà exactement exactement me faire pour santé pas moi me parle tout guerre même son monde sous scène me remet voler sous scène me remet danser et tout et puis me songer t'es gon vivre dans période côté que les m'a voler sous scène me senti me souffler trop rapide. Ou quand essouffler parce que justement c'est mouvement à faire et tout même t'es trouvé mais soufflé trop rapide donc on me dit peut-être moins bon écoute Tamara c'est une histoire de santé maintenant tu vois c'est même pas parce que même moi car nous sommes mon cas assumé comme et puis me dit peut-être moins Tamara c'est une histoire de santé et prends soin de tout prends soin de corps et puis bizarrement ça a marché moi mes amours moi mes résultats moi en pile mon remet ça ouais à tout donc avant tout oui oui en pile mon remet ça ouais c'était vraiment santé avant tout. C'est... mais après elle vient faire que ma petite vidéo me paraît super belle super sexy donc je suis content. Nous pourrions parler de ça si nous devons faire une petite récapitulation sur la dernière chanson sortie par Tamara. Donc, nous avons dit une productivité qui est quand même plus ou moins intense malgré tout. L'homme dit malgré tout, soit nous disons Tamara, soit nous vivons en Haïti. Et nous avons une réalité pays qui j'ai lié. Il y a 3 mois de cela où tu es sorti, Kembe Palagé. Et pourquoi vous avez dit que vous êtes sorti avec Di François aussi, il y a 10 mois de cela. C'est Pays l'exil. En fait, la chanson avec Edith François, Pays l'exil. La chanson avec Edith François, son musique qui était sur l'album, moi qui était sorti en 2018. Oh. Et puis, je me suis dit, je m'en parle à Edith. Edith, dis-moi, pour qui ça, nous pas faire vidéo avec musique ça et tout. Dis-moi, Edith, moi, je vais faire quelque chose. Je vais faire en sorte de vidéo avec des images et tout, images moi et ma voix et tout. Il dit non, ça va pas me plaire, etc. Et puis, il me dit, bon, mais c'est elle qu'on s'en va. Et puis, vraiment, vrai, moi, je suis sorti pour ça. Moi, je suis sorti. Et puis, nous sommes super contents. Mm-hmm. En plus, le monde pense que c'est son musique qui nous vaut, mais c'est pas une nouvelle musique. C'est une musique qui l'a depuis 2018, quoi. Surtout depuis 2018. Mais comment si c'est la réalité du pays? Donc, ça veut dire. Et ça qu'a dit dans la musique, là, c'est des bagailles que nous vivons au jour le jour. Donc, il paraît tout neuf. Oui, tout neuf. Tu vois, il paraît tout neuf, mais c'est pas un bagaille neuf vrai. Si nous regardons la vidéo, ça bien. On a peut-être pour ton grande question sur les avant même nous arriver sur la dernière musique qui sortit. Et concept là un peu différent par rapport à ça. Donc, nous avons 3 garçons qui ont peint Tamara. Et nous avons des focus, des close-up qui font des images tout qui sont dans la salle là.
Tamara, sous une explication d'un concept là, surtout dans l'introduction, musique ça, ou tabac, ça le tabier. En fait, c'est explication, c'est un monde qui a préparé justement pour aller monter sur scène. C'est un monde qui a sorti dans le point A pour aller dans le point Z. C'est un monde qui a sorti dans l'état simple pour aller vers le sommet, tu vois. Donc, okay. Pour qui ça, c'est des garçons, c'est parce que justement, en pile fois, ils ont priorisé des métiers que garçons qu'à faire, mais c'est filles ouais, qui sont normales, tu vois. Donc, moi-même, j'ai dit pour qui ça, le bac à garçon. Parce que, en pile fois, moi, quand on a dans des studios, c'est garçon payé, mais puis, c'est tellement que ça, le bac à garçon, puis ça, c'est pas des garçons, moi, fait payer dans la vidéo, à noter que monsieur, ça, c'est dans la tête, moi, il y a un problème dressé, tu vois. C'est notre tête moyen pour intéresser. Et puis, dans la fin de la vidéo, il dit, mais c'était pas si difficile. On dit, non, c'est pas difficile et que c'est un métier que tout le monde a fait. Nous avons choisi justement fait que c'est garçon qui fait. Parce que nous avons une question d'avoir posé pour qu'il s'arrête pas qu'à fille, tu vois. Et c'est pour montrer tout que tout métier pour obliger les gens, métier d'ica fille, d'ica garçon, du moment que le monde n'a qu'à faire. Très bien. Ah ben, on a pas entré dans la dernière musique qui sortit là. C'est lui-même qui est motivé présent sous la à venir dans l'émission ça. Dans les mondes musique qui est disponible sur chaîne YouTube Tamara Yokal Gadel Gadeo, c'est Tamara Suffren. Ça s'écrit Suffren, c'est Suffren. Donc, les gens qui généralement disent Suffren, c'est pas Suffren, c'est Suffren. Elle est utile. Qui va aussi m'a doumise m'a passé avec Jean mon abri non sa boutique. Non m'connais pas les pas prêt attention à vous ça fait me fait si remarque ça. Ou me do fait travail ça. Et remarque que me fait c'est pas musical non Tamara li plus ta vidéo moi va jamais montrer. Oui, ta vidéo va jamais montrer figure monsieur. Monsieur. Oui, va jamais montrer figure. Moi même ça. Volontaire. C'est volontaire parce que me dit tête moi écoute ou pas qu'à fin bail toute bagarre la net faut kebe mon yo la curiosité a faut y regarder jusqu'à la fin tu vois et jusqu'à la fin parce que le visage paraît un petit peu jusqu'à la fin mais faut vraiment curieux pour elle mais c'est vraiment volontaire me dit oui tu es dire Dieu et tout ça me voulait bave figure paraît tu ton cabre cheveux des têtes li tout côté dans col même bave visage paraît nice ça ajoute un beauté dans vidéo. Ouais, les suspense et puis oui. Tout c'est nouveau quand même. Et puis l'autre bagaille pour nous caouer dans vidéo remarque encore avant de parler de musique après c'est que nous a parlé tout à l'heure de Tamara qui maigrit et après on a félicité mais il pas prendre avantage pour l'exposer ça. Pour l'exposer. Il fait sexy mais stupide mais pas trop. Non, pas trop. Ou fait sexy mais stupide mais pas trop. Malgré quoi ou maigrit après on a félicité même pas trouvé que vous font usage abondant de sexiness que tu as dit dans la vidéo ou pas ou était ou même m'a pour Tamara, c'est volontaire. Non, mais on trouvait ça. Non, même tout vous était ou même, ou tout vous était ou même. Oui, c'est vrai. Moi ma Maritza nous comme un peu il faut me dire que c'est Maritza qui habillé dans la vidéo. Moi ma Maritza nous un peu parce que la dit Tamara ou maigri, mettez quoi le yo et tout. Et puis, je me dis, Maritza, qui t'a prêté moi-même, tu vois. Donc, c'est comme ça, mien. Donc, qui t'a prêté moi-même. Ou t'as dit, mon bain, dans la dernière interview que t'as fait là, ou t'as dit, mon pas fin, on pas assumé. De ou pas cassé, mon bain, ou pas fait. De pourquoi, tout ou me fait, c'est que m'a campé d'elle, m'a marché d'elle. Voilà. Quand il y a musique là, et l'aine fait choix ça, bon, je pense que vous faites poser question ça déjà, je vais peut-être poser. Motivation pour aller dans la ligne, ça, en musique compas, qui plus dansant, qui ont bel solo là, Dani. Qui c'est expliquer pourquoi ça ou fait qu'on y a parce que ou dit peut-être qu'on parle longtemps. Oui, ça me fait qu'on y a, on dit ça tout à l'heure, on te dit que l'auteur est pour qu'on trouve avec l'auteur avec une équipe c'est de bail différent. L'auteur est pour qu'on trouve tout ça dans la tête ou vient dans la tête ou c'est lui bon. Donc pas gain ou pas le monde qui va dire que bon, on t'a fait choix ça plutôt etc. Donc oui, c'est un travail pour moi. Tout ça me fait qui sortit dans la tête, moi, c'est que toujours bon, tu vois. Donc tout ça me lague, c'est toujours bon. Donc maintenant, puisque j'ai une équipe, j'ai un manager, j'ai un vidéographe, j'ai l'autre monde, j'ai un monde qui a travaillé dans le marketing qui est ensemble avec moi. Donc du coup, même la décision que je voulais prendre, m'obligeait à passer par YouTube. Donc ça veut dire, si je choisis mon ton équipe,
une institution, un produit m'a vendu et que c'est pas moi qui est responsable à 100%. Donc faut que moi d'accord gain de chita parler que supposé fait avec chaque grand monde qui dans l'équipe là pour bah opinion pour les voir plus voir au passé, tu vois. Donc puisque c'est pas moi qui a décidé pour toi moi pour rien et que tout ça me dit pas toujours passé. Qui bon y a un argument qui ont parlé pour y convaincre un style de musique comme ça Tamara décisez c'est ça pour nous faire mon cher premier bagage c'est que mon qui compose musique là sont artistes moi super aimé super apprécié que c'est Jude Delouche donc déjà les m'apprennent que Jude Delouche a composé en musique moi me dit quel que soit genre de musique ça va capable ça c'est pour un bagage moi dit et puis le moi-même je viens parler ensemble avec Jude me dit Jude mais de quel petit bagage moi mène en musique est-ce que possible pour nous aller avec musique là vers ça il dit OK on est nous assez libre pour nous faire des choix par exemple on pourrait finir la musique là me dit Jude m'a envie aller vers ça et tout et plusieurs soit regarder ou après vers la fin une mélodie qui est vraiment différent de mélodie musique là en soi c'est donc ça c'était choix pas ensemble avec Mike travaille ensemble avec dans le studio et tout après j'aime ce dinoir et que nous dit tête non bon nous pas cap faire musique là juste pour faire peut-être nos plaisirs seulement encore faut que nous aller au-delà de cela c'est vrai nous supposer pour plaisir dans ça affaire parce que moi dit tête moi si me fait en musique après 10 ans après 15 ans obligé effacer m'pa vle son musique comme ça m'vle son musique pour après 50 ans m'attend des musiques moi et puis fier de lui toujours tu vois donc ça aussi des bagages qui est important pour moi des arguments comme ça c'est des textes qui pour moi fait sens qui pour moi carité qui pour moi doit arrêter qui même si m'pa gagne équipe là m'ta décidé pour contre moi tu vois donc c'est des bagages comme ça après c'est genre 50% moi-même et 50% équipe là tu vois donc c'est comme ça qui moun qui t'a fait approcher à Jude Delouche pour production ça c'était bon, manager semaine ça pas je non manager est-ce que nous t'avons fait? C'est Mana ou t'as caché dans la vidéo à Tamara? Non, c'est Mana ou t'as caché dans la vidéo? Non, c'est Mana. Non, c'est Mana. C'est pas les bagages. Non, c'est Mana avec deux. Mana, j'aime jouer dans la vidéo. Non. C'est ton zou qui t'a joué. Oui, mais Tamara, est-ce que conversation pour nous t'y en varier ou bien pour nous faire l'autre tentative ou bien en essayer ça, est-ce qu'elle t'a fait avant même? Proposition Jude Delouche qui produit musique là et est-ce qu'elle t'est faite avant ou bien après? OK, bam tout. Moi j'ai une musique déjà qui t'est faite avant Jude Delouche là, son musique justement qui compare mais il y aller vers un petit peu zouk, mais dit son compare love qui un petit peu zouké et tout, j'ai tendance que moi mais tu vois. L'autre moi dit tête moi mettant des musiques yo me dit bon pour que ça me pas chanter autour parce que c'est monde qui toujours après des compas après des zouk là carrément et tout me dit bon écoute pour que ça me pas chanter autour tu vois donc c'est des bagages qui étaient là déjà mais après me toujours dit il faut trouver la bonne personne les bonnes personnes et dans production dans composition dans écriture m'aimer les bagages yo bien chita et ça fait me toujours dit ou pas qu'à faire toute bagaille pas qu'à obliger écrire composer produit tout bagaille autant que gain de monde qui est là qui ca fait et qui fait super bien. Donc moi-même il était important pour moi pour me joindre des producteurs des musiciens, des artistes, des compositeurs qui assez extraordinaires pour moi. Même dit pour moi c'est des artistes qui fait sens pour moi dans le sens que c'est des artistes qui produisent des bagailles qui parlent pour moi, tu vois. Donc les Jude Delouche dans balance pour moi c'était une des meilleures. Après, Jude Delouche, on m'a toujours dit qu'il faut travailler avec Nickelson Freedom parce que moi, j'aime plus libre, moi, j'aime mélodie, etc. Tu vois? Et moi, j'ai une musique avant ça, que je me suis supposé sortir, bon, que nous pas sortir avant musique ça, nous sortir musique ça avant. C'est une musique que Jim Rama a composée pour moi. Il compose une musique là, moi-même, moi, écrit texte qui est une superbe musique. Mais après, nous dit, non, bon, écoute, on voit qui est-ce que nous sortir avant. Et puis, nous sortir musique ensemble avec Jude Delouche là avant. Mais voilà, je me dis peut-être plus ça m'aimait chanter pour que ça me pas extériorisé. Est-ce que musique ça voulait dire, c'est une étape dans un changement qui peut-être nous carré plus bien dans les jours à venir, ou bien c'est un essai pour Tamara? C'est pas un essai, parce que j'ai en 2020 sorti Bam l'amour, qui est une musique compact, que Kennedy m'a composé pour moi. Tout ça, moi, pour moi, c'est un monde qui a chanté comme ça, qui a chanté.
comment il s'appelle la chanson que Réginald Kanji a reprise? Donc c'est des reprises, tu vois, c'est pas, c'est pour un set, puisque sous scène moi délivré. Après ça me dit tellement pour qu'ils savent pas bah mon yo on bagaille que yo ka arrêté tendez la caillou, on bagaille ka arrêté qui va juste un concert mon en vinyle tendez ta main chanter musique ça et puis après ça ta main aller, tu vois. Donc me dit tellement écoute pour qu'ils savent, pour qu'ils savent, pour qu'ils savent pas faire pour le arrêter tout. Donc c'est pas un essai, mais moi pas les limiter tête moi parce que me connais ka offrir plus que ça. Donc ça veut dire ka on ka nager dans pile tendance, mais tête moi écoute bah pas fermer tête mon seul côté, je dis ah, c'est on inspiration reggae, écoute on y va hein. Si c'est quelque chose ça venir on y va, l'essentiel pour moi il supposé faire sens, l'essentiel pour moi il supposé carréter, l'essentiel pour moi il supposé marcher, tu vois, marcher pour moi. Après ça le temps l'avenir dira le reste quoi. Changement ça et bon moi-même le changement parce que me connais étant qu'on artiste ou gain liberté pour faire proposition musicale qu'on voulait ou chanter des œuvres ou capable mais et l'on fait musique business c'est ça qui fait l'on vient gain équipe là qu'on a équipe qui dehors là eux-mêmes c'est business y a fait parce que y a gain Tamara pour vendre faut mettre Tamara dans format qui estimé qui est vendable. Et me changer route shelter ils vont côté il était fait changement dans production na ça la porté ba nous le résultat le bail nous gain Daline Desca qui fait changement nous le résultat gain pile monde qui fait. Est-ce que qu'on y a là nous capable de dire c'est le résultat musique ça va venir faire dans ça qui passe moi gain plaisir m'entendre c'est quelque boy qui des questions me poser me poser c'est non ça m'entendre yo gain pile bagaille qui va venir va derrière que manager fait m'entendre me senti que est-ce que au senti dans ligne ça qui équipe management Kabjo la Guido là est-ce qu'on sent à l'aise là-dedans parce que là c'est qui fait ça important pour moi. Oui, c'est parti ça est important pour moi. Ouais, à l'aise là? Oui. C'est très important pour moi. Et moi toujours dire ça. Nous on j'ai une défense expérience justement avec même équipe ça côté que nous après dans studio nous défend musique. C'est pas même vibe là parce que on pas rejoindre moi dans musique là. Et là nous pour nous sortir musique là me dit vraiment pas sentir musique là si nous sortir nous quelque chose c'est nous pas faire promotion nous pour nous m'a juste occuper nous à musique non parce que me pas de sentir tu vois à l'aise là pour moi l'important parce que à la fin c'est moi même qui va faire promotion à la fin c'est moi qui va chanter là à la fin c'est moi qui va dans l'émission qui va parler de lui tu vois même sur mon équipe qui a marché qui a mis des stratégies sous pied etc mais musique là pour moi doit signifier un bagage. Et le fait que la musique en fait sens moins, ça va rendre le travail moins plus facile. Parce que le travail là, c'est vraiment qui d'ailleurs qui a marché, par exemple, pour une émission avec Guy, moi-même avec Guy, nous ne pouvons pas parler du tout. Donc, nous avons équipe, même si nous avons équipe qui travaille, mais au moins là, moi-même, je viens là dans l'émission, je ne vais parler de musique là, comme fier, comme qu'a assez d'arguments, comme qu'a assez de paroles pour vous dire à partir de musique ça, parce que justement musique ça, l'aime t'entrer dans le studio ensemble avec, l'aime t'prendre plaisir pour me chanter, l'aime t'prendre plaisir pour m'apprendre, et l'aime sortir musique, l'aime t'prendre plaisir pour me partager, parce que ça c'est la lila dans tout, parce que le métier que je fais, choisis faire métier d'artiste, choisis faire musique, son métier plaisir c'est plaisir ou pas mais ou même tout qui supposé prendre plaisir là c'est pas tant qu'on comptable qui juste aller la écrire la rentrer des chiffres etc ou bien on caissier qui juste compter l'argent et puis il finit moi même son métier qui était à longueur de journée son métier qui pas gain congé la donne vous comprenez parce que ou ca sortir en musique et puis pendant coucher la caou bon voisin ou bien voisine d'après les musiques là et vient jeune petite musique là c'est pas musique qui fait plaisir pour ca pratiquement gêné à entendre musique ça m'a voulu ça arriver c'est parce que c'est peut-être ça qui extrêmement important pour moi pour ma laisse dans ça m'a chanter très très bien moi aimer ça et une évolution à l'aise là important mais dans la production bien longtemps de musique ça qui premier bagage qui t'a attiré attention qui t'a voulu dire oui I see myself moi Tamara moi même dans musique ça premier bagage qui t'a attiré attention c'est parce que son musique je voyais ben moi acoustique c'est juste sa voix et sa guitare c'était très simple très belle vous avez dit ben vous son musique comme ça t'es supposé sortir comme ça à vous ça me dit non c'est pas ça bagarre la télé c'était vraiment très simple très belle c'était Jude avec sa guitare qui dit je t'envoie un draft écoute et puis il me tendait me fait waouh sauf que me dit le moment vide il gagne
m'a vu qu'il y a un bridge là-dedans et tout. Et puis, la fin, j'ai géré un petit peu la fin avec Mikey Mike. Et Mikey Mike, avec Zing, que m'était travaillé ensemble avec des produits, jouer coin, me dit tête moins. Et pour tout vrai, Mikey Mike produit musique, ça. Et puis, après production, il fait, je suis super content parce que il y a des choix, il fait dans le niveau rythmique là, qui permettent qu'on ait une fusion ensemble, même moi, choisi. On est ou bien proche dans la musique, moi, et que l'impression, c'est un monde qui comprend, moi, qui comprend quel type de musique que m'a fait. Et voilà, qui, ben, moi, j'en peut-être, moi-même, moi, t'as sorti, c'est moi-même qui t'a fait production musique là. Et puis voilà. Donc, j'ai déjà attiré depuis l'année de musique là. Depuis l'année, vous voyez, premier de la femme, moi, j'ai été attiré par la musique. Vous êtes attiré par message ou texte musical là ou bien ligne mélodiage, la chanté? Avant, mélodie toujours important pour moi que parole capitale. Avant, la mélodie c'est très très important pour moi. Faut me connaître, est-ce que je fais mes yeux pour me tendre mélodie ça? Est-ce que mélodie a fait effet? L'aime fait tendre, tu vois? Donc avant c'était mélodie. Après parole, il faut quand même vraiment fin chita. C'est mélodie qui était premier bagage qui était voyé pour moi. Et puis après ça, bien entendu, parole fait sens pour moi radio, parce que moi-même on croit qu'il y a plusieurs types d'amour, tu vois, et que moi-même je dois vivre un amour qui est extraordinaire. Et dans l'amour extraordinaire là, c'est moi-même ma marine qui est à distance, ou bien un monde, un amour extraordinaire, c'est faut parler dans ma pile. Donc, il y a tout type de l'amour, ça. Et je suis sûr que nous ne pouvons jamais suspendre chanter de texte l'amour, parce qu'il y a tellement de différentes facettes, tellement de façons différentes pour chanter l'amour, pour extérioriser des bagailles. Donc, après, à pile fois, il y a des textes comme ça, il y a garçon à chanter, tu vois. Et par exemple, dit, pas venir parler dans tête, moi, on connaît Jean Machin ensemble. C'est très difficile pour un fille à dire, pour dire, pas venir jouer dans jouet, moi, si on connaît nos papiers ensemble. C'est très difficile pour un fille à dire ça. Je trouve impossible même pour un fille à dire ça. Moi-même, je dis, peut-être, pour qui ça, il aurait été coincé dans moi, dans le sens que, voilà, il y a des bagages, c'est garçon qui supposé dire, il y a des bagages, c'est fille qui supposé faire, il y a des bagages, fille pas de faire, vous comprenez? Donc, je dis, peut-être, moi, pourquoi. Je suis bien content le fait que j'ai écrit ça et que j'ai pensé à peuple sans qu'elle fasse penser son cycle à chanter musique en tout. Ok. Mm-hmm. Et puis, dans le texte, tout le monde met en position autoritaire, côté qu'on monde qui connaît ça le besoin, qui connaît ça et la besoin. Parfait. Ouais. C'est mon tellement que tu as compris. Tu sais, des fois, il faut être clair. Ouais, des fois, dans le monde, il faut être clair. Sans besoin, on doit se dire. Parce qu'en pile fois, nous quittons le monde à opiner, à essayer de garder, qui sont voulés, qui sont envie. Tandis que si tu as dit bagala, bagala t'es qu'à plus simple. Ou t'es qu'à résoudre le problème dans plus bien. Ou bien, ou t'es qu'à relation, t'es qu'à marcher plus bien. Tu vois? Moi-même, moi, pour des femmes qui ont dit ça ouvrir dans la relation. Comme si, besoin, je dis, au besoin pour ménager et faire le moi encore. On l'a déjà dit, chérie, voilà ce que je veux. Et puis, voilà, ça va marcher. Et moi, c'est, ça vient permettre que la communication et tout. C'est une bagarre que moi-même, texte ça. C'est que son texte, vous parlez. Ou si, mais ça vle, si ça pas comme ça, plutôt nous pas comme ça, plutôt nous pas là. Oui, parce que et dans le temps actuel, son bagage qui est très à la mode, mesdames, yo très autoritaire, ou bien mesdames, yo connaissez ça, vous voulez, yo ka dit ça, vous voulez, yo très outspoken. Moi, je ne vais pas dire l'autorité, non? Non, outspoken. C'est la communication, oui. Tu vois? Parce que autrefois, sous peut-être ton maman, mesdames, yo pas aimé parler, comme si yo aimé, voilà, ça meurt, ça va. Et si je dis à la nèg la onjan, il content. Si je dis à demain, il va faire ça, il va bon pour lui, il préfère aller plein avec mon ami et tout. Tandis qu'on est ensemble avec nous, on dit, mais ça m'aimé, mais ça me pas aimé. Vous comprenez? Et que bagala, il tire un bagala assez easy. Très important. Alors, il y en a même de poser peut-être une question pour nous quand même aller plus rapide. C'est, je dis à changement ça qui fait là, Wilfried, non seulement c'est la production le fait depuis notre studio, il m'a dit tout des changements de scénique aussi. Ouais. Puisque là, où invitez Mounio à danser et danser à l'antichan à l'pilong, est-ce que Tamara déjà travaille sous ça pour répondre à besoin ça? Parce que si Mounio répond à proposition 1, donc l'on a délivré live, pour en mesure tout pour allonger pour barre dans ce chercher. OK, moi-même me connais, vous connaissez déjà que moi j'ai une équipe de musiciens qui toujours jouer ensemble avec moi. Et
même sous temps de nous en Haïti, nous souvent jouer, nous souvent répéter, nous souvent travailler ensemble. Donc nous connaissons que il y a des changements qui sont supposés être faits par rapport. Nous passons tout type de musique, il y a des changements qui se font sur. Par exemple, vous voulez venir avec une musique compas et que le compas, son bagage qui mène à danser, et puis ce que vous voulez, vous voulez danser, donc ça veut dire que vous voulez qui plus long pour danser. Donc, genre, la musique fait genre 4 minutes et que vous dites que tout le monde écoute, vous allez vers 8 minutes, comme ça, vous ne danser plus et tout. Donc, tout ça, sous option de musique qui sont musiques. Circonstanciel, genre funérailles, enterrement et tout. Donc, on ne peut pas parler avec une musique 10 minutes parce qu'on connaît que ça a suscité trop pleurs et tout. Donc, on passe à tout type de musique, il y a des changements justement qui m'a dit. Et par rapport à la musique, ça, on passe sous scène, dans le live, il y a des changements qui sont passés. Donc, si nous t'as dit par rapport avec un changement, ça, quoi, penser à faire et nous dit nouveau départ, mais quand même, j'en dis on chante tout style de musique. What is next? Qui ça qui que moun ki remon, moun kap suivi longtemps, qui ça à qui ça que ou ka attendre de ou? Ça me ka di yo que m'pap suspend produit quel que soit Jean Bagay la hier parce que au-delà de tout ça qui a passé, la musique c'est une bagay ki kembeman vie, c'est une bagay ki kembeman vivant. Je dis j'étais super excité parce que me dit ah musique m'pap sorti etc. On moun pas comprendre tout effet que la musique ka fait sur artiste là. Parce que nous-mêmes, c'est pas juste comme si juste faire musique pour faire musique, mais c'est la passion avant tout, tu vois. C'est mon art, c'est mon bébé, c'est ma passion. Donc, il est très important pour moi pour me continuer, de nourrir et tout. Donc, en dépit de tout, au-delà de tout ça qui est arrivé, on t'a promis tout le monde que tu vas continuer à produire, on va continuer à produire de la musique, on va pas léguer whatever style là. M'a toujours continué à produire et puis après ça, pour nous passer pour un troisième album, justement. Voilà. Very nice. Mais qu'on y a. Vas-y. Oh, oui, Freedom, sorry. Gen. Est-ce que musique ça, je veux dire, nous sommes en août et l'on met musique, l'on met musique ça, l'on nous fait calcul musique ça. Qui ça nous compte, joigne et qui pral fait nous déterminer est-ce que calcul ça tombe au calcul? Je préfère dire bon temps, fait travail, mais n'empêche que nous-mêmes, nous mettons tout ça pour nous mettre en place, nous mettons en place, et puis nous quittons le temps, fait travail. En pile fois, nous pensons que les bagages, mais comment ils parlent, et puis les bagages allaient différemment. Moi-même, je parle, mais moi, je travaille sur l'avenir, moi, je projette des bagages, moi, voilà, fait projet sur des bagages, mais des fois, je quitte le temps, fait travail, pendant que moi, je fais travail beaucoup de femmes. Donc, on continue à pousser la musique, on continue à faire tout ça qui dépend de nous, la musique, on fait route, et moi, tout profiter, à dire tout fanatique, tout le monde qui remet Tamara, ou bien, ou même qui fait qu'à découvrir Tamara, à attendre la musique, à l'abonner, et puis, le temps dira le reste. Le temps dira le reste, mesdames et messieurs. Musique là disponible sur toute plateforme YouTube, vidéo Afex aussi. Est-ce que sur YouTube seulement ou bien est-ce que toute plateforme là on va des monnaies qu'à mettre dans la playlist? Tout côté. Ouais, musique là, c'est Tikem sensible pour mon guitare souhaité gagner les gadil ou bien checker sur YouTube. C'est Tikem sensible. Moi, je mets le l'écran pour nos kawé. Tout est loin téléphone, mais télévision, bah on s'écoute derrière l'écran pour qu'on ait autographe là. Tikem sensible. T'as une belle bagaille. Donc c'est artiste qui pote dernière composition ça pour nous. Tamara, pas connaît qui soit qu'à Dimounio, ça ou qu'à espérer de où. Puis souvent, on a besoin de petits bagailles, prestations. Ça m'a dit mon nom, justement, c'est à suivre moi, tout côté, vraiment, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. TikTok, sur moi tout côté et moi toujours à répondre message le plus que capable donc quitter un petit message pour moi dire son passé son etc donc quitter un message pour moi souvent aimé converser ensemble avec fanatique moi donc écrire ça me connaît ça nous passer après ça m'a continué travail ça c'est grande promesse qu'on fait nous. Grande promesse qu'on fait nous c'est que va continuer de travailler. Grande promesse qu'on fait nous c'est que en dépit de tout ça qui a passé dans le pays ça Tamara Suffren a continué de travailler, elle a continué de faire musique parce que musique pour moi c'est une thérapie, musique pour moi c'est une bagarre qui kembe me vivant. Donc nous mettre qu'on est que m'a toujours continuer ba nous musique. Bien entendu,
n'a travaille peut-être en vanille à fini pour sortir un autre projet, mais nous pas mettre aucune date sur les n'a travail. Voilà Tamara, merci, c'est un plaisir pour nous de gagner dans sac chaud, nous vraiment passons bon petit temps ensemble, nous souhaitons succès, ouais. Bonne chance avec musique ça et puis on connaît qu'à la CKA on attend nous n'importe là ou n'importe l'autre projet. Merci Guy, merci KitKat, merci Wilfried, merci tout le monde qui t'a branché émission, hein. Merci pour tout le monde qui a regardé vidéo, hein. Merci tout le monde qui a suivi moi tout côté et c'est un plaisir pour t'es là et je suis content de retourner encore. Voilà, bonne chance. Merci, à la prochaine, bye bye.